Bien-aimé, nous sommes à Berthoua déjà. On est bien arrivé à Berthoua. Ce soir, nous allons commencer les hostilités à partir de 17h. L'église est située à Enia, quartier Enia, vers la maison spirituelle. Avant la maison spirituelle. D'accord. Sur la route de l'aéroport. C'est le chef de terre. Avant la maison spirituelle, sur la route de l'aéroport. Et nous allons commencer ce soir. Jamia mi hof ni monde ine isa masio min yoti bertwa e hande mi numari kautan manga ha eglisa min ha karche enia ko kiki de hande jam di joy ni yeda to kati ha yau ko lau yada mi sa su mitem do gal lau aeroporto min tami hu du ba to to lau di hande lo min mi kautan ha to jam di joy kiki de to numari nyau be donc le bilamon on a nata courtema on lara hinduji donc le wali lo on lara karama le bilamon on a quand car le souple ayant qui bon touch mini dato qui de hande dear viewers, we bless you in the name of Jesus. We are just arriving in Berthoua and we are so happy and glad because God has been keeping us during our journeys and He has granted us His favor this time again, and I'm just feeling joy in my heart because I know what God is able to do. I know what He is able to do, and we know all of us what God has done in this city. And tonight, as from 5 p.m., we have our meeting at our church. The church is placed to at Enia, quartier Enia, just on the road of Avant Maison Spirituelle, that is it. So we'll be all of us there tonight, and I believe God for you. There is a miracle for you. There is a touch from God for you. So if you have put your trust in God and you believe in your heart that God is alive and that He is faithful, faithful to His promises, faithful to His words, so please don't miss this meeting. It's for your salvation, it's for your blessings, you and your family. So don't come alone. Take your husband, take your wife, your children, and come together with your family. Let us just enjoy the presence of the Holy Ghost. May the Lord bless you in Jesus' name. Donc, vous pouvez vous dire que vous avez vu 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 que C'est comment donc? Un chef de terre. Tu avais le chef de terre. Chef de terre, le pasteur de Berthoua. Le révérend Junior. Faut pas regarder les apparences. C'est un lionceau. Un lionceau à l'image de son père. Alors ça se passe comment l'organisation ici? Les gens se préparent comment? Donc, l'organisation, nous sommes en train de préparer le programme de ce soir. Mm-hmm. Toutes les équipes sont déjà là, et même certaines personnes des environs de la région de l'Est se sont déjà déplacées. L'autre, certains sont venus, sont arrivés même hier. D'où ça? De la Bomba. À Bomba, waouh! À Bomba, on attend à Bomba, on attend Doumé, on attend Dimako. On attend Yokadouma, on attend Batouri. On attend
Pénacle. Dépeinture de Rodolphe. Dépeinture, c'est pas ici. On attend Bétaré. Oya. On attend. On a eu le docteur. On a vu encore. Ngaoundéré. Ngaoundéré aussi. Nous attendons Ngaoundéré. Garbamboulaï. Il n'y a rien à monter. Tant que vous avez fait ça, parce que si quelqu'un rate le soir, c'est parce que quand vous prenez l'avion, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, Reverend Junior, elle va t'expliquer, parce que bientôt tu vas prendre l'avion. Pour ceux, Garouta wa innamorabias manta ou dansta ou karif. Ça, ce sont mes bords. Il faut que les gens, pas les gens, ces chrétiens sont mal intentionnés. On va dire que le prophète là, ça vaut quoi comme ça là. Je suis allé quelque part avec ma Bible. Je vais avec ma Bible, emballée comme ça. Les gens ont commencé à m'insulter que je suis un musulman. C'est pourquoi je couvre la Bible comme un musulman. Où est le péché de recouvrir sa Bible? Parce que les chrétiens, ils sont, la plupart, pas tous, ne sont pas pieux. C'est-à-dire, ils n'ont pas un saint respect des choses saintes. Tu vois un chrétien, moi je m'étais obligé, je vois les chrétiens s'asseoir sur la Bible, la Bible à la cuisine et tout ça. Non. Donc ça, c'est ma Bible. J'ai un fils. Ça, c'est ma Bible et c'est un cadeau qu'on m'a offert. On m'a offert quand j'étais à... Viens, non, tu as pas de filmer, mon frère. Les zoom. Tu as zoomé. Zoom bien, mon fils. Tu es zoomé, là. Et ça, c'est ma Bible. Mon Nouveau Testament en grec. On voit. Hein? On voit. Ça, c'est mon Nouveau Testament en grec. Donc, c'est un livre sacré, mes amis. C'est ce livre qui a changé ma vie. Qui a fait de moi l'homme que je suis. Ce livre merveilleux. On ne lit pas n'importe comment. Donc, et ça, viens mon fils. On joue pas avec ce livre. Viens. Ça, c'est mon coup d'hébreu. C'est mon bord. L'hébreu, c'est bon. Ça, c'est mon petit bord. Bon. Ok. Parce que nous sommes à l'école du Seigneur. Il a dit, moi je suis le bon berger. Oh là là. Garuta manau dalislava inas provident robinata. Donc si quelqu'un rate la soirée, si je t'explique mon fils qu'il y a un avion, tu sais que toi tu as beaucoup plus l'avion. Laisse-nous qui a beaucoup plus l'avion t'expliquer. Tu laisses où je l'explique. Message Doran. Kai, pas un lettre de nos messages. Tu as pu, tu vas pécher. J'ai mis OK. Et là, tu vas passer pour tu mets. Ciao. OK, c'est bon. Donc, vous voyez, bon, ici, là, c'est la mission, hein, c'est Bertrand. Donc, les moments les plus difficiles, quand tu vois un avion, c'est le décollage et l'atterrissage. Donc, on dit souvent que quand vous décollez avec l'avion, bien là, parce que tu as Hawaii, quand vous décollez avec l'avion, tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. S'il n'y a pas crash, il n'y aura plus crash. C'est la National Geographic qui s'appelle ça. Donc, c'est très, je ne vais pas parler un fils. Donc, et qu'est-ce que nous voulons dire? Je vais dire simplement quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin. Si tu rates le premier jour, il y a un gros morceau que tu as déjà raté dans ta part d'héritage. Et si tu rates le dernier jour, tu as raté l'atterrissage. Donc le départ d'atterrissage, c'est important. Il y a une sorte de corrélation entre les deux. Donc, bien aimé, même si tu fais quoi, comment tu rates ton yard de nanami, Fadira Handero? Qui est le nom de Dieu? Wono à Enya, quartier Enya. Soit au quartier Enya, 17h ce soir. Et laisse Dieu te bénir. Nous sommes en fin d'année. Nous sommes venus ici, c'est un programme transitionnel. C'est-à-dire un programme, je suis venu vous dire bonne année. Amen. Je suis venu dire bonne année parce que je ne sais pas si je vais encore venir à Bertois avant 2024. Donc ça, c'est ma dernière visite certainement à Bertois. Ça fait 2 mois que je ne suis pas venu. Combien de mois? Deux mois. Deux mois, je ne suis pas venu ici. Donc, si tu ne me
tu ne me vois pas cette fois-ci. On va se voir seulement après un an. Là, en janvier 2024. L'année prochaine. Donc, bien aimé, même si tu fais quoi, bats-toi pour être là ce soir. Bats-toi. 3 jours. Arrête ce que tu fais. 17h, sois à l'église. Et vois ce que Dieu va faire pour toi. Tu veux que ton année soit bénie. J'ai dit que je suis venu bénir votre année 2024. Tu viens avec un mouchoir blanc. Je vais consacrer ça au Seigneur. Voyez ce qui va se passer. Dans Acte 19, la Bible explique qu'à l'époque de l'apôtre Paul, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais certainement quelqu'un avait un mouchoir, ça a touché un peu Paul. Et puis en passant, son mouchoir a touché un paralytique, là, le paralytique s'est levé. Et le gars dit, hey, il avait la veille, il a encore touché un peu la veille avec le mouchoir là. Et la veille a commencé à voir. Et il a constaté aux gens, hey, le mouchoir s'est touché l'apôtre Paul. Et ça a commencé à guérir les malades. Parce qu'il y a eu une transmission d'onction. C'est ce qu'on appelle le ministère des franges, en fait. Donc, et c'est comme ça que les gens ont découvert que si on pouvait toucher Paul avec un mouchoir, l'onction de Paul entrait dans son mouchoir. Et c'est comme ça que toute l'église, les frères venaient à l'église avec des mouchoirs. Je vais expliquer le ministère là ce soir. En sorte que les gens portaient même les linceuls des morts à l'église. C'est le grec qui le dit en français pour nous. Vous ne pouvez pas le savoir, vous ne pouvez pas expliquer bien ça en français. Mais en grec, je vais expliquer ça le soir. Donc, et ça touchait Paul, et Paul était, et les gens étaient guéris. Et c'est là qu'on a vu dans la Bible que les frères de l'église primitive avaient ce qu'on appelait le service des mouchoirs oints. Donc, quand je vois des hommes, des choses, je dis non, on n'utilise pas les mouchoirs dans l'église. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, et avec qui il veut, ou avec quoi il veut. Dieu a utilisé le mouchoir dans la Bible pour manifester sa gloire. Il a utilisé la salive. Ou bien, bon, les enfants, c'est toi qui parlais, parle, pardon. Moi, je veux parler tout à l'heure. Je veux parler tout de la salive de mon papa. Dis-leur, le programme, ça s'est préparé, c'est comment? Moi, ouais, d'abord, un beau gosse comme ça, la boîte. Quand je rentre, d'abord, j'ai le profil ici. Gentiment, une grande prochaine, ça va être une. Plutôt pas mon frère. Quelqu'un dit que je suis ton frère, mon frère. Le beau gosse. Fondation ou quoi? Voilà. Attends. Parce que soit la légende, on ne comprend pas. Oui, parle maintenant. Oui, papa, je disais que nous sommes, nous sommes en train de préparer le programme. Il y a des personnes qui se sont déjà déplacées depuis hier. Et ils sont déjà là sur place, toute l'équipe de Yaoundé. Et certains qui viennent d'ailleurs, nous sommes déjà prêts pour vous accueillir. Et comme papa disait tout à l'heure, moi je crois personnellement que ce programme commence en novembre. Et va jusqu'au mois de décembre. Donc, papa aussi là pour ouvrir les portes du mois de décembre, puisque ce programme finit le 1er décembre, ainsi que l'année 2024. Donc, ne manque pas ce programme. Nous vous attendons. Comme papa disait, l'église est située au Carrefour et est située au quartier Enya, sur la route de l'aéroport, avant la maison spiritaine. Donc, c'est l'église, un don qui a été fait par papa. Donc, nous avons notre église locale qui a été construite et nous avons... Rapidement, il faut dire... Non, parce que le don, voici pas l'initiateur, ça c'est un pionnier. Ça c'est un enfant qui est un pionnier. Alors, je leur dis toujours que ne faites pas le ministère pour faire. Quand quelqu'un m'avait dit un jour, il ne faut pas faire le suivissement moutonnier. Il faut être le pionnier. Quand tu as fait quelque part, quand tu quittes, tes œuvres doivent parler. C'est lui qui a initié ça. Parce que moi, je voulais construire, c'est vrai, mais je voulais faire un hangar d'abord. Dieu, j'ai fait l'hangar. Il m'a dit non, non, papa, on doit construire une fois, on lance. Matériaux définitifs, une fois. On a tout fait. Puis, je me suis opposé. Quand j'arrive, je trouve qu'il a commencé un mur et demi. Quand j'ai dit, waouh, mais c'est seulement un mur et demi. C'était un demi. Il a fait un demi, je fais, aïe, aïe, aïe. Il faut combien? Voilà comment j'ai lancé là. Et puis, il a fait des travaux, c'était extraordinaire. Donc, c'est ça faire le ministère. Un nom de Dieu qu'on a fait quelque part, tu quittes, tu ne laisses pas tes traces, c'est que tu ne fais pas le ministère. Il faut écrire l'histoire, il faut marquer l'histoire, il faut marquer sa génération, il faut laisser ses traces sur les rives ensoleillées, le sable des rives ensoleillées de l'histoire. Donc, ce soir, vous êtes prêts à nous accueillir? Nous sommes prêts, papa. Il faut déjà dire que l'église de Béthadji aussi vraiment grandement merci pour ce don parce que pendant des années nous avons été. On a souffert. Vraiment. Après, Berton, on va où? On va où? Partout, on a construit. On allait à
Douala, oui, bon, Douala. Douala, Douala, on est en train de... On a travaillé sur ça, c'est clair. On travaille sur ça. C'est clair. Déjà qu'on a de grands projets aussi chez Abertois, école et tout ça. Là, donc, voilà. Donc, je pense que... Tu as prévu quoi pour nous? On vient chez toi, même pas dans la boîte. Même pas... On n'a rien mangé, on n'a rien bu, chef de terre. On souffre. Quel est le restaurant pour toi? Bon, ça dit quoi? On va où? On va dans un restaurant. Ne dis pas le nom. On peut choisir le restaurant pour toi. Quand tu dis le nom, là, c'est le qui fait pas ton restaurant. Donc, on ne peut pas manger au restaurant. Bouquin, oui, j'ai dit non. Est-ce qu'on t'a mis dans ta chambre? Ta chambre est où? Ses choses sont où? Il y a son sac. Il y a des trucs. Ah non. Pas me voir sac, moi. Non, non, ça va. Téléphone, dis-moi. Ça va, ça va. Junior. Ils sont où? Ils sont en train de descendre. Constamment sur Facebook. Ah, ok.
baptisant, c'est gratuit. Venez, c'est gratuit. Service là, que Dieu se souvienne de ça. Que vous payez ça, il paye ça à vos enfants, de vos enfants, jusqu'à la quatrième, la huitième génération. Dans la main souveraine de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Là, c'est une boisson à base de condiments qui est donnée comme ça à l'hôtel, à tous ces clients. Une boisson gracieuse. C'est un goût, mais le mot que je voulais utiliser était dangereux quoi. Il y a un évangéliste qui a fait sa campagne, il a dit aux gens, venez, ça sera puissant, ça sera beau, Dieu va se manifester, la gloire sera là, et les gens venaient, et Dieu aura une ambiance d'enfer. Les gens venaient s'enlever comme ça, fuguer, si c'est une ambiance d'enfer, alléluia, on ne veut pas. Donc, c'est un goût paradisiaque. C'est extraordinaire, c'est des infusions à base de plantes naturelles. C'est des choses qu'on va boire tous les jours. Les manches, les rajeunissent le corps. Voilà. J'ai plein à la maison. C'est moi qui ai besoin. Voilà, parfait. Il y a une adresse. Je souffre de la présence. Il s'est mis à tout ce qu'on a à la maison. Il est à la grande. Vous avez celui qui est hors de l'air. Thank you.
ici, mais quoi, on n'a pas fait aussi la partie de terminer à la mort. C'est vrai que le travail n'est pas le même. On va le renvoyer de la manière. Mais si nous, la fonction aussi, la paix est vraiment des formes de paix. Je suis aussi le maître à la mort. Oui, c'est vrai. Aussi à Bombard. Direction, tu connais Wamba, non? J'ai un fils de prophète, non? Dis le nom, bien. Crie, non, arrête la voiture, tu descends, mais tu cries le nom du restaurant. Alors, Armand, c'est un frère très courageux. Généralement, au début, quand il conduit la quand il dit Seigneur, nous le commandons pour ce voyant de demain. Le chauffeur ferme les yeux, mes frères. Ça, le bar là, c'est le nom de Thierry, des inférieurs baptêmes, quand nous sommes dans ce chemin-là. Oh, c'est en train de prier pour le voyage. Le chauffeur conduit, ferme les yeux, oui Seigneur, mais j'ai encore des territoires conquéris pour Jésus.
et toi tu as une famille, les enfants doivent devoir grandir. Comment tu veux fermer les yeux en conduisant? Donc on partait sur quoi là? On s'est arrêté à la totale. Je dis que chacun passe sa commande. Et lui il aime le pain choco, c'est pain choco. Oh, allemand. Pain choco et lui là c'est une histoire d'amour. Pain choco, c'est ça. Lui il aime le pain choco. Et je lui demande, on te prend combien de pain choco, Armand? Il dit 6. Mes frères, 6. Il dit pardon. Il dit 6, papa, 6. Je lui ai dit que non, non. On va te prendre toute la boutique, la boulangerie. Oh, comme vous jouez alors. Je lui ai dit que si c'est petit. Voilà. On va te prendre tout. On va te prendre toute la boulangerie. Et depuis le temps là, excusez-moi, on arrive à la boulangerie. Là, je demande à Tonton Armand, tu peux combien de pain choco? Il dit, hey. Terrible, les enfants, ce sont des bons. Diamouillon. Diamouillon, le grand diamouillon. Ok, d'accord, ça va. Donc, chers amis, nous sommes à Bertrand-Montre pour la ville de Bertrand. Les gens de Bertrand. Chers amis, c'est toujours une fierté d'être dans la ville de Bertrand. C'est une grande joie. C'est la province de l'Est. C'est une des plus belles provinces au Cameroun. C'est une cité extrêmement accueillante, paisible. Il fait beau vivre. Le Bertrand, c'est un lieu où il faut avoir une maison. Il faut avoir une maison. Absolument. C'est un endroit où il faut une maison. Et c'est une région en plein développement, plein essor. Vous verrez que les maisons poussent partout comme des champignons. Les gens travaillent, les gens achètent des terrains, les gens investissent. Donc c'est un endroit extraordinaire, je vous assure. Et puis c'est un endroit où on a plusieurs cultures mélangées. Il y a beaucoup de cultures représentées ici, mais surtout les cultures du Cameroun sont représentées ici à Bertrand. Et c'est un endroit où on n'est pas mal à l'aise dans tous les cas. Je pense que ça vient aussi du travail que les autorités locales font, parce que c'est aussi un carrefour en fait, avec certains pays voisins comme la Centrafrique. Et vous savez, il y a des problèmes d'agression parfois, des incursions ici à Bertrand. Des incursions de ce pays voisin-là, des rebelles, etc. Et puis, ça a toujours été contrôlé grâce aux autorités militaires, policières, gendarmes et administratives de la ville de Bertrand qui travaillent d'arrache-pied pour la sécurité de cette ville. Donc quand vous entrez dans la ville, vous ne pouvez pas imaginer que parfois il y a des menaces autour de la ville. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est une ville frontalière, parfois il peut y avoir des attaques et tout ça. Les autorités administratives, militaires,
policières et des gendarmes font un travail extraordinaire dans cette province, je vous assure. C'est quelque chose qu'il faut louer. C'est là que je causais une fois avec une région de la région de l'Est et il m'a dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit que Dieu est le Dieu des armées, l'éternel Dieu des armées. C'est celui qui est le commandant chef de toutes les armées en fait. Ouais. Et ça c'était pour moi une grande révélation. Et c'est pour dire que nous devons être reconnaissants envers le travail que les autorités font. Parce que parfois, quand vous entrez dans une ville, il y a la paix, la stabilité, vous ne pouvez pas comprendre les sueurs froides parfois que les autorités ont. Pour maintenir la cité dans la paix, c'est un peu comme dans une maison où il y a des enfants. Les enfants, eux, ils savent que papa, ils sont en sécurité. Voilà. Mais ils ne peuvent pas savoir comment papa se bat dehors pour les avoir à l'école, pour leur trouver des vêtements, pour les nourrir, etc. Pour que la maison soit en sécurité, papa doit penser à tout, mettre une barrière, mettre des antifaux, etc. Mais l'enfant n'a pas tendance à voir souvent ça. Il voit tout simplement, qu'il est en sécurité et tout. Mais c'est pas que le père paye un prix énorme. La même chose, c'est le rôle que les autorités administratives, militaires et paramilitaires remplissent aussi dans cette région de l'Est. Donc, il faut prier beaucoup, il faut des reconnaissants, prier pour le gouverneur, pour les préfets, les sous-préfets, prier pour le collégion, prier pour délégué régional de la sécurité nationale, prier pour les généraux qui travaillent ici, prier pour l'armée, le colonel, lieutenant colonel et capitaine, lieutenant et sous-lieutenant, etc. Prier pour tous, pour notre armée, notre police, notre gendarmerie, qui travaillent de façon extraordinaire pour la sécurité de la ville de Bertrand. Pour la rendre belle, pour la rendre agréable pour ceux qui arrivent dans la ville. Donc je pense que si cet ensemble de personnes, d'autorités, ne maîtrisait pas son travail, je pense que Bertrand serait parmi les villes les plus instables. C'est ça la vérité en fait. Bertrand serait une ville, mais les forces, les armées de notre pays ont un courage extraordinaire. Il faut savoir que l'armée camerounaise fait partie des meilleures armées, je dis au monde, et surtout les renseignements camerounais sont parmi les renseignements les plus puissants dans le monde aujourd'hui. Ils sont comptés, c'est en Afrique et dans le monde entier. Et ça, il faut le savoir. Pour le savoir, nous avons un service de renseignement redoutable, ultra performant, un peu comme le Mossad israélien, ou le KGB. Donc, je pense que nous sommes reconnaissants, personnellement je suis reconnaissant pour ces autorités-là qui travaillent dans la sécurité, pour notre sécurité. Bénissons le Seigneur pour cela. Nous continuons à prier que le Seigneur nous donne la sécurité, nous donne la longévité, la sagesse à toutes les autorités de la ville de Bertrand. Que Dieu les bénisse. Il y a attaché une civilisation, une culture, des us et des traditions. Et donc, trouver une ville comme celle-ci avec des autorités qui parviennent à faire que les gens vivent ensemble, que la multiplicité religieuse ne soit pas un sujet de dissentiment, de dissension ou de guerre, il faut prier pour eux. Dieu donne la sagesse, l'intelligence aux autorités de la ville de Bertrand, qui leur donne encore plus de discernement et que Dieu veille sur le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors tout dire va s'arrêter là et moi on va aller chercher. Voilà. Shalom, ramenez-vous tout à l'heure à partir de 17h. À Enya. Que Dieu bénisse. Bye.